ONG Vivre Mieux, Dameou Rabita. Oliva, c'est pas tout ce que tu vois dans la vie que tu dois manger. Y a des couleurs de vêtements que tu ne dois pas porter. Je dis, y a des nourritures dans la vie que tu ne dois pas manger. Jamais. Horoscope du jour, dimanche 18 décembre 2022. Bélier, vous reprocherez à votre partenaire ou conjoint de trop garder les pieds sur terre et de ne pas mettre assez d'intensité dans votre relation. Attention, vous pourriez en arriver à devenir injuste envers la personne qui partage votre vie. Célibataire, des rencontres intéressantes en perspective. Votre intuition et votre lucidité naturelle seront renforcées. Vous serez donc très brillant et réussirez en un tour de main une affaire en or. Vous retrouverez enfin votre pleine vitalité. Taureau, vous découvrirez chez votre partenaire des vertus magnifiques qui vous feront l'apprécier davantage. Si votre cœur est libre, vous connaîtrez sûrement une grande joie, une félicité incomparable en rencontrant celui-ci que vous recherchez. Évitez de vous lancer dans des opérations financières hasardeuses. Toute tentative dans ce domaine serait vouée à l'échec. Vous traverserez la vie dans une forme qui fera des envieux autour de vous. Gémeaux. En couple, la vie sera plutôt facile et détendue. Célibataire, la situation s'annonce plutôt décevante, mais vous verrez que cette petite pause ne sera pas inutile. Excellente perspective sur le plan matériel. Si vous devez effectuer une transaction délicate, vous saurez maîtriser les démarches à faire, éviter les pièges et quel comportement adopter. Vénus augmentera votre gourmandise et votre tour de taille risque d'en souffrir. Cancer, gare au papillonnage, vous risquez de fantasmer sur quelqu'un d'autre que votre conjoint. Célibataire, vous n'échapperez pas à un coup de cœur. Cette fois, votre situation financière devrait être saine et stable. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes endetté, mettez de l'ordre dans vos affaires. Prenez rendez-vous avec votre banquier pour négocier vos emprunts à un taux moins élevé ou pour étaler vos remboursements dans le temps. Pour faire fondre les quelques kilos qui vous gênent, ce sera pile le moment de vous y mettre. Vous aurez sûrement des projets ambitieux et des idées pleines de tête. Lion, journée tout particulièrement bonne pour la vie à deux. Célibataire, l'humeur de la journée sera aux fleurs, aux brefs rencontres, aux relations éphémères. Les astres vont vous aider à mieux rentabiliser vos activités tout en vous soufflant un comportement très prévoyant et organisé. Vous éprouvez un regain d'énergie qui agira sur votre bonne humeur et sur celle des autres. Vierge, célibataire, il y a chez vous de belles qualités de cœur dont vous n'aviez jamais soupçonné l'existence. En couple, vous devez faire preuve de discernement. La chance sera de votre côté dans une mise de fonds en commun ou dans une discussion financière. Vous pouvez prendre des risques, faire la fête tous les soirs et démarrer une journée de travail dès l'aube n'est pas compatible. Quelques-uns de vos projets les plus ambitieux pourront enfin voir le jour. Balance, attention, danger dans votre couple. Même si vous êtes foncièrement fidèle et constant dans vos amours, vous serez soumis à une puissante tentation d'ordre purement physique. Si vous êtes célibataire, attention à ne pas vous amouracher de quelqu'un qui ne vous conviendrait pas. Tâchez d'être lucide et de contrôler vos émotions. Évitez les transactions ou les argumentations trop longues. Organisez-vous et vous saurez alors trouver des aides appréciables pour mener à bien vos affaires. Scorpion, faites preuve de souplesse et d'indulgence dans votre couple. Célibataire, vous ne serez nullement pressé de vous fixer et quelques aventures excitantes donneront de l'intensité à votre vie amoureuse. Vous allez entrer dans une période faste concernant vos finances. Tous ceux d'entre vous qui tirent le diable par la queue vont enfin pouvoir équilibrer leurs comptes grâce à une prime quelconque ou à une diminution des dépenses courantes. Dans l'ensemble, vous jouirez d'un bon équilibre. Sagittaire, en couple, ce sera comme au premier jour. Complicité, tendresse, preuve d'amour. Célibataire, plus réservé que d'habitude, vous observerez vos
prétendant avec prudence. Mais une personne tenace fera tout pour vous attirer dans ses filets. Votre charme provoquera le succès financier. Si vous êtes représentant ou si vous travaillez dans l'art ou l'hôtellerie, cette journée vous sera particulièrement favorable. Capricorne, votre conjoint se montrera tolérant et ce sera tant mieux pour vous qui n'êtes pas toujours fidèle. Célibataire, vos affaires de cœur prospéreront à condition que vous teniez compte des désirs de vos partenaires. Vous aurez la possibilité d'effectuer de bons placements à long terme. Évitez de traiter des affaires importantes. Vous serez très impulsif et prêt à prendre trop de risques. Le soleil vous procurera de la vitalité et un bel équilibre. Verseau. En couple, ne prenez pas les choses pour acquises. Le bonheur à deux s'entretient. Ce n'est jamais qu'un coup du destin. Célibataire, dans vos rencontres sentimentales, l'amitié pourra très bien jouer un rôle aussi important que l'amour et l'un pourra découler de l'autre. Journée bonne sur le plan financier. Attention tout de même au manque de lucidité. Ne vous montrez pas trop optimiste ou trop dépensier. Poisson. En couple, votre conjoint sera surmené et les motifs de querelle ne manqueront pas. Célibataire, ce sera une journée de remise en question en amont pour vous. Aucun coup dur ne serait à redouter pour vos finances, mais ne vous attendez pas non plus à des rentrées d'argent mirobolantes. Si vous êtes endetté, ce pourrait être le moment de négocier un étalement ou de remboursement. Vous devriez jouir d'un bon dynamisme. Les négociations avec l'étranger seront favorisées. Dame et Rabital, visionnaire astrologue, vous souhaite une excellente journée dominicale et vous invite à prendre les dispositions pour que le jeudi prochain, qui est le jeudi 22, vous puissiez passer au temple des grandes victoires pour le remplissage du chèque de l'univers. Le chèque de l'univers, le remplir, c'est prévoir ce qu'on souhaite gagner en un an. Dans l'année 2023, qu'est-ce que vous souhaitez gagner comme argent? Vous allez le budgétiser. Alors, c'est un rituel très efficace qui vous permet de trouver la somme d'argent que vous souhaitez gagner en un an. Merci à vous, que les bénédictions soient. Pour tout renseignement, appelez-nous 96 44 90 89 94 46 15 75 ou écrivez-nous sur le WhatsApp du 94 46 15 75. Je profite aussi pour vous dire de vous préparer pour le dernier bain de l'année. Pour le dernier bain de l'année, il faut prévoir 2000 francs par foyer. Un foyer de 5 personnes au plus, avec 2000 francs, vous aurez le savon Saint-Michel et le sel de masse pour faire votre bain. Quant à ceux qui sont à Abomey, n'oubliez pas la dernière grande messe de fin d'année qui aura lieu à la maison des jeunes de Goro à partir de 15h le 30 décembre. Le 31 décembre, nous serons à Calavi, à la mairie de Calavi, pour vous permettre d'assister à la grande messe de fin d'année. Là, vous allez recevoir la communion qui vous permet d'être protégé spirituellement. On le fera à 9h et à 15h. Frais de participation à cette grande messe de fin d'année, il faut prévoir 5000 francs. Merci à vous et que les bénédictions soient. Grande messe de fin d'année, l'amoureux de Dieu, Dameo Pochedi Rabitan, vous invite à recevoir les outils nécessaires pour entrer en 2023. À cet effet, venez avec une bougie, une bouteille d'eau à utiliser pendant un an, un sachet de sel de 25 francs et un petit cadenas neuf. Au cours de cette grande messe, vous recevrez un pentacle des 10 planètes qui donne chance, protection et bonne santé, une poudre magique à la paix tous les premiers jours du mois et une communion qui empêchera le sorcier de bloquer vos opportunités en 2023. Date et lieu, vendredi 30 décembre 2022 à la maison des jeunes de Goho à Abomey à partir de 15h15. Samedi 31 décembre 2022 à la mairie de Calavi à 9h09 pour la première messe et 15h15 pour la seconde messe de fin d'année. Frais de participation, 5000 francs CFA. Téléphone 96 44 90 89. Vivre mieux 2023, le magazine spirituel guide de l'année 2023, année 7.
Découvrez la puissance de ce chiffre spirituel dans la Bible, dans le Coran et dans la nature. Secret de prospérité, cette chose qui se trouve dans votre chambre dont il faut se débarrasser. École astrologie, étude des 10 planètes et leur influence. Horoscope des 12 signes en 2023. Amour, argent, travail, santé. Le rituel Huidio, avoir un an de bonheur. Dernier bain de l'année à faire la nuit du 31 décembre. Purification de l'aura et du corps. Pentacle des planètes à découper et garder sur soi pour la protection, la prospérité et la santé. Calendrier du Faisan 2023. Disponible derrière le magazine Vivre Mieux. Prix 3000 francs CFA. À retrouver absolument dans les boutiques Océan à partir du 12 décembre 2022. Notez bien. Vous pouvez recevoir le magazine en PDF à partir de 5000 francs CFA. Téléphone 96 44 90 89. WhatsApp 94 46 15 75.